Alors non, les choses ne s'arrangent pas toujours, en fait. Comme le dit Ulysse qui vient d'être baptisé et qui, du haut de ses 10 ans, reconnaît que nous finirons bien par mourir un jour, et puis que dans notre existence, il y a des jours de toutes sortes. Des jours qui dépassent nos rêves les plus fous, tellement ces jours sont beaux et magnifiques, mais aussi des jours dont nous ne voudrions qu'ils n'aient jamais eu lieu. Alors les choses ne s'arrangent pas toujours dans ce sens, mais pourtant, nous dit-il, il y a quelque chose, une joie, celle d'être ensemble et celle d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde par notre être et peut-être aussi par quelque chose de notre vie. Et ce message d'Ulysse m'a fait penser à un passage où Jésus nous parle de notre espérance en ce monde. Et à mon avis, cette espérance que propose Jésus est plus proche de ce qu'en a témoigné Ulysse, plus que de ce que certains théologiens ont fait de l'espérance chrétienne. Alors je vous laisse entendre ce passage, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 34. Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait très bien que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous prions Dieu. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse entièrement, me convertisse à toi, afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me demandes d'aimer.
Une légende assure que Luther aurait dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, aujourd'hui, je veux quand même planter mon pommier. » Et ça, cette attitude-là face à la vie, c'est autre chose que de l'espérance, parce qu'effectivement, à ce moment-là, les choses ne s'arrangent pas, en fait. C'est faire ce que l'on pense juste, tranquillement, sereinement, sans se soucier du lendemain. Ou plutôt sans soucier, en fait, car oui, planter un pommier est un projet d'avenir, une visée pour demain. Mais cette visée n'est pas utilitariste. Elle ne mesure pas simplement le rendement, mais la qualité de la démarche. Le fait d'apporter quelque chose de nouveau et de bon pour ce monde qui le mérite et qui le méritera jusqu'au bout. Alors bien sûr, le résultat compte pour nous et l'on préfère pouvoir voir mûrir les pommes du pommier qu'on a plantées. Mais dans cette façon de voir l'existence que nous propose cette phrase apocryphe de Luther, eh bien, c'est une façon de voir l'existence avec la vérité d'une démarche, une vérité de démarche qui justifie cette démarche, en fait, qui suffit à la justifier, sans même les fruits. Dans un sens, c'est que Jésus lui-même fait sur la croix, comme un geste qui ne produit rien d'autre que de dire l'attachement qu'il a pour ce monde et pour ceux qui l'habitent. Et c'est aussi le geste de Martin Luther, petit moine de province, qui se lève et qui appelle l'Église mondiale à se réformer. Aucune chance. Et pourtant, il a pu voir quelques fruits. En réalité, personne n'a jamais retrouvé où Luther aurait dit cette phrase. Dans quel livre, dans quelle prédication, dans quelle lettre, ou peut-être à table, entre deux bières. Peut-être ne l'a-t-il en réalité jamais prononcé cette phrase, mais qu'elle a été déduite de sa pensée par ses disciples. Mais en tout cas, les circonstances où cette citation est sortie sont significatives. Cette citation est apparue en 1940 parmi les chrétiens allemands désespérés de la puissance et de la folie d'Hitler. À quoi bon lutter face à une telle fureur? Comment faire quelque chose? Eh bien, cette phrase sur le pommier est venue comme pour s'encourager mutuellement à oser ne serait-ce qu'un geste positif, ne serait-ce qu'un bon geste qui affirme le bien et qui se tourne vers la vie. Même à la veille de la fin du monde, planter un pommier. Et chercher quel est ce pommier finalement, quel est mon pommier que je veux planter aujourd'hui en ce monde en réponse à mon unicité. Alors cette parabole du pommier de Luther dit une espérance qui est de l'ordre de la beauté, de l'intention et du geste. Cette parabole dit l'importance de la dimension spirituelle dans l'existence, au-delà simplement de la survie du corps. Et cela, je crois, nous en avons vraiment besoin pour comprendre la vie. Souvent, notre espérance, bien sûr, est en ce monde d'abord. Comme le dit Jésus, pour notre survie en ce monde, dans de bonnes conditions, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et Jésus ne se moque pas de ses besoins, bien sûr. Il les connaît et il les reconnaît comme légitimes. Notre corps a besoin d'être nourri, abreuvé, protégé, comme celui de n'importe quel animal d'ailleurs. Notre intelligence a aussi besoin d'être nourrie, d'être abreuvée, d'être habillée. Notre sensibilité, notre cœur, notre foi, notre talent artistique, toutes ces dimensions ont besoin d'être nourries, d'être abreuvées, d'être revêtues. Dieu le sait, bien sûr, nous dit Jésus. Et il espère que chacun de ses enfants aura ce minimum. Mais cela ne renferme pas la totalité de l'espérance, car ça n'explique pas pourquoi nous aurions envie de planter un pommier si la fin du monde était pour demain. Cela n'explique même pas pourquoi l'amitié est si importante pour nous. Et encore moins l'amour, ni pourquoi il y a des choses pour lesquelles nous accepterions de donner notre vie. Ça n'explique pas non plus l'art. Parce que tout ça, ça n'apporte rien à nos besoins basiques du corps. Au contraire, ça disperse la ressource. Et si l'horizon de notre espérance était dans cette seule survie, comme le dit Ulysse, alors nous sommes fort démunis parce que, de toute façon, sur ce plan-là, ça se terminera mal, en fait, puisque nous mourrons.
et que nous sommes exposés à de diverses catastrophes qui sont déjà assez pénibles à gérer comme ça, du point de vue matériel, du point de vue de la survie, sans qu'en plus nous ayons l'impression de perdre toute notre vie, notre dignité, toute espérance quand notre santé est mise en cause, quand nous perdons notre travail, notre maison ou un être cher. Ces besoins de nourriture, de boissons, de vêtements sont réels, sont légitimes. Dieu même y travaille, nous dit Jésus, et nous y travaillons tous ensemble. En gros, nous avons quand même vraiment, parmi ceux qui ont le plus de chance, ce travail est actuellement assuré par le monde économique et par le cadre moral minimum que sont les droits de l'homme, finalement, et du citoyen. Donc nous avons bien de la chance, nous. Mais qu'il soit athée, qu'il soit agnostique, qu'il soit croyant, tout philosophe, toute personne qui réfléchit est convaincue, je pense, que ça ne suffit pas, cette dimension-là. Qu'il faut aussi une dimension spirituelle qui vienne donner du sens au-delà de la simple question de la nourriture, de la boisson et de la protection minimale. Et pour remplir cette question du sens, nous sommes beaucoup plus libres que nous ne l'avons été par le passé. Comme nous pouvons choisir d'acheter plein de choses, non pas au magasin au pied de chez nous, mais aux quatre coins du monde par Internet, nous sommes libres de choisir ce qui donne du sens à notre vie, choisir mon pommier dans le verger où je suis né, ou bien dans un oranger venu de Tunisie ou de je ne sais où. Personnellement, je trouve génial cette liberté de choix et cette sincérité qu'elle permet. Je trouve que l'évangile du Christ, si je puis dire, est un bon produit sur ce marché. Un vraiment bon produit qui n'a pas à rougir de la concurrence, bien au contraire. D'abord parce qu'il est gratuit, et ensuite parce que l'évangile n'écrase pas notre droit à une véritable espérance, pas même dans les choses de ce monde, puisque Dieu aime ce monde et nous aime dans ce monde. Et puis, quel souffle il y a dans cet évangile ! Quelle magnifique mise en valeur de la dignité de toute personne, même quand elle n'est pas très en forme, finalement. Et puis cette place centrale donnée à la libre responsabilité, à la bonne volonté gratuite, à la qualité des relations. Oui, l'évangile est un des excellents choix possibles pour dire ce que nous espérons, pour cette dimension spirituelle qui dépasse les simples survies du corps. C'est ce que disait James avec son joker, je crois, dimanche dernier. Mais l'évangile, c'est plus que ça aussi. Ce n'est pas simplement une réserve du sens, c'est une réserve de sens, oui, mais c'est aussi ce sur quoi nous comptons finalement pour que notre espérance se réalise. Alors sur quoi comptons-nous en fait pour que ça se réalise ? Cette question est en réalité bien plus importante et bien plus déterminante, je crois, que tout le reste. Et c'est là-dessus que Jésus attire notre attention dans ce passage. Certains espèrent s'en sortir par la sagesse. Et cela aide effectivement, ça éclaire, ça libère et ça peut nous aider à progresser dans le domaine moral, dans le domaine théologique. Cela peut nous donner de mieux comprendre la réalité et son fonctionnement, les causes, les conséquences et donc de s'organiser un peu. Jésus n'est pas contre l'intelligence, bien sûr. Au contraire, il encourage à réfléchir chacun, chacune par soi-même. Il discute, il philosophe, il enseigne, il pose des questions. Et donc il n'est pas contre la sagesse, cette sagesse qui consiste à nous unir, à nous soutenir, bien sûr, les uns les autres. Mais il ne nous dit pas de placer notre espérance dans la sagesse, ni dans la morale d'ailleurs. C'est juste un cadre de base pour s'organiser un peu. Alors certains espèrent s'en sortir par la providence de Dieu, comme dans bien des psaumes, comme les prophètes qui attendaient que le Messie vienne et qu'il règle les problèmes sur la terre, qu'il fasse la paix, qu'il donne à manger, qu'il guérisse, qu'il apporte le royaume de Dieu sur la terre. Les disciples de Jésus ont vraiment espéré qu'il serait le Christ et qu'il accomplirait ça. Alors oui, il est le Christ, mais il n'a pas imposé la paix, il n'a pas supprimé toute maladie, toute famine, il n'a pas rendu les lions végétariens, ni les moustiques non plus. Alors après Jésus, bien des chrétiens ont espéré le retour du Christ. Bon.
Tant de personnes fondent ainsi leur espérance sur l'idée que Dieu conduirait l'histoire, faisant pleuvoir quand il pleut, faisant naître et mourir alors, faisant tomber malade ou guérir, donner à manger à ceux qui ont faim. Alors c'est en partie vrai parce que Dieu est actif et agit, il agit pour le bien, pas pour le mal. Mais c'est aussi en partie faux cette idée de providence de Dieu qui maîtrise l'histoire parce qu'il n'est pas un magicien. Et cette façon d'espérer tout en Dieu pour qu'il accomplisse notre espérance, c'est source de bien des angoisses, de bien des culpabilités mal placées. Comme si c'est nous, avec nos fautes, avions entravé cette bonne providence de Dieu. C'est source de bien de perte de foi en Dieu, malheureusement. Mais Jésus ne nous dit pas, dans ce passage, d'espérer en Dieu. Il ne nous le dit jamais, d'ailleurs. Il dit de lui faire confiance. Il nous dit que Dieu est au courant de nos besoins et qu'il nous aime, et donc qu'il y travaille comme il peut, comme il veut, et il fait sans doute au mieux, par définition. Mais alors, si Jésus ne nous dit pas d'espérer en notre propre sagesse, s'il ne nous dit pas d'espérer en Dieu, que nous propose Jésus ? Eh bien, contrairement à ce que l'on pense parfois, Jésus ne nous dit pas une seule fois d'espérer. Ça n'appartient pas à son vocabulaire et ce n'est pas son approche, en fait. Pourtant, la notion d'espérance était importante dans l'Ancien Testament, dans bien des psaumes, par exemple, et puis dans ces prophètes qui attendaient le Christ, qui espéraient le Christ. Mais pour Jésus, non. Alors pour l'apôtre Paul, ça sera important aussi l'espérance, mais le mot « espérance » ni le verbe « espérer » n'est pas une seule fois dans ce que nous propose Jésus, dans le message de Jésus, selon les quatre évangiles, pour une fois unanime, j'allais dire. Il y a pourtant un contenu dans notre espérance, dans l'Évangile, pour notre espérance. Il y a une conception de ce dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre bien, en particulier de la nourriture pour nous donner de l'énergie pour avancer, de la boisson pour calmer notre fièvre et nous donner une paix, et des vêtements pour nous protéger. Il y a aussi quelque chose qui donne sens à notre vie, quand bien même elle toucherait à sa fin. Un amour qui peut se manifester dans ce pommier, dans notre pommier, celui que nous voudrions encore planter si nous étions à la fin du monde, aujourd'hui. Et donc notre espérance a un contenu par l'Évangile. Mais Jésus ne nous dit pas d'espérer. Jésus propose un autre rapport, finalement, au présent, au passé et à l'avenir, au futur. Jésus ne nous dit pas d'attendre patiemment un lendemain meilleur. Il ne nous dit pas d'attendre le monde futur où tout sera beau. Au contraire, Jésus nous dit de nous occuper d'aujourd'hui. Et la question d'aujourd'hui, selon Jésus, c'est ni d'espérer ni d'attendre, mais c'est de chercher. Et c'est bien plus actif, bien plus engageant aussi que d'espérer. C'est vivre aujourd'hui, en fait. Chercher premièrement, chercher avant toute chose, et chercher par-dessus tout, le royaume de Dieu et sa justice. Alors chercher, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux sens en fait au mot chercher, en français comme en grec d'ailleurs. On peut chercher comme on cherche des champignons dans la forêt, quelque chose qui existe pour le retrouver. Et puis on peut chercher comme on cherche à faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Le royaume de Dieu et sa justice sont à chercher dans ces deux sens-là en même temps. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit à chercher, un endroit spécial qui serait le paradis. Non, le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu. Et c'est ça que nous pouvons chercher. Et plutôt d'espérer que l'action de Dieu règle nos problèmes, on peut déjà ouvrir les yeux et voir qu'il a agi dans le passé et qu'il agit dans le présent, en voir les signes, voir son action dans le monde, qu'il agit d'abord de lui-même dans le monde, parce qu'il ne nous a pas attendus pour que le monde avance, évolue, mais aussi qu'il agit dans la personne qui est à côté de moi, parfois. Et puis, peut-être à travers moi aussi. En moi, peut-être. Alors que dans le fait d'espérer, il y a en germe une sorte de dégoût du monde, finalement, de ce monde et du jour où nous vivons, pour déplacer notre espérance ailleurs, dans le futur. Par contre, quand on cherche les traces de Dieu, on ouvre les yeux sur des réalités et sur des instants qui sont plus beaux que nos rêves les plus fous, comme dit Ulysse tout à l'heure. Nous pouvons voir que le monde est bien moins mauvais qu'il en a l'air,
Et nous pouvons voir que notre vie, que nous-mêmes et que notre voisin sont déjà au bénéfice finalement d'un processus de résurrection et de vie, mais pas dans une espérance ou dans une attente, mais réellement maintenant. Et ce règne de Dieu, cette action de Dieu, on peut la chercher comme on cherche à faire plaisir quelqu'un. Et je crois que c'est même précisément cela, finalement. C'est bien plus actif qu'une espérance, ça. C'est une démarche délibérée. Ça se fait dans la prière, bien sûr, mais ça se fait aussi en y consacrant une part de nous-mêmes, de nos ressources, de notre temps, de notre énergie. Et dans cette double recherche de l'action de Dieu, du règne, de là où Dieu a régné, règne dans notre vie aujourd'hui, il y a le passé, le présent et le futur qui s'articulent et qui se construisent. Un passé, un présent et un avenir dont nous sommes au bénéfice et auquel nous participons en fait un peu vraiment. Nous cherchons le royaume de Dieu, nous cherchons le royaume de Dieu et nous cherchons sa justice aussi. Alors chercher la justice de Dieu, c'est bien plus engageant que d'espérer sa justice. Alors c'est une bonne idée d'espérer aussi sa justice, ça n'empêche pas. Parce que sa justice, c'est encore de l'amour, c'est pas une sorte de tribunal terrible où Dieu va éliminer certains et en choisir d'autres. La justice de Dieu, c'est encore de l'amour, comment en serait-il autrement ? Sa justice, elle garde le meilleur de chacun, elle regarde, elle reconnaît le meilleur de chacun et de chacune d'entre nous. Et puis elle irrigue en profondeur notre être, comme si nous étions un arbre, nous dit le psaume premier. Et il irrigue aussi ces pommiers que nous voulons planter. Mais chercher la justice de Dieu, c'est bien plus engagé encore que de chercher son action, je crois. Chercher sa justice, c'est reconnaître sa puissance de transformation et c'est s'y associer par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par nos projets. Et par ce pommier aussi, que chacune et chacun sommes dignes de mettre en terre. Parce que nous savons, oui, que nous en sommes capables de planter notre pommier. Mais de toute façon, toutes choses nous seront données en plus. Amen.